Oula! Je ne sais pas de mal à t'annoncer. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Tu vas être ravie. Ouais. Bah, tu vas être ravie, je vais être malade, je vais vomir, être irritable, nauséeuse, grossière, avoir des envies de débile à 2 ans. T'es malade? Mais non, pauvre toi, je suis enceinte! Enfin, tu sais, c'était pour déconner, le cliché de la nana enceinte qui envoie son mec pour chercher des fraises à minuit. Ah, j'ai jamais compris. Tu veux pas développer? Si, c'est juste que je pense pas que ce soit bon. Pas le moment. Bah, je veux dire, tous les deux, on a une sorte pas stable. On a des amis, une famille qui s'entend relativement bien et des mères qui n'entendent qu'à une grand-mère. Oui, c'est pas... Regarde! Eh ben Regarde les tensions politiques, le climat mondial, Thomas, la crise économique. Non, c'est. Je pense pas que le monde dans lequel on vit soit un monde stable pour y amener un enfant. C'est. Il sera jamais en sécurité. Je t'aime, Sarah. C'est juste que. Je me sens pas les épaules assez larges pour un enfant, quoi. Et c'est pour ça qu'un bébé, ça se fait à deux. C'est un message de maman. C'était pour dire que ça allait bien. Apparemment, il n'y a pas trop de totems dans sa rue, donc elle doit être tranquille. Des totems? Tu sais comment ils sont quand ils sont en train de changer, ils ne bougent plus. Pourquoi ils sont comme ça? J'ai vu sur Facebook, quelqu'un a dit que c'était le temps que leur corps meure. Une fois que le corps est mort, il tombe. Et il se relève quand quoi que ce soit qui ait fait marcher, ça m'a fonctionné. Et qui c'est qui a mis ça? C'est qui a créé le groupe Facebook tout plaqué pour aller mieux à travers les zombies? Et elle a de quoi manger, ta mère? Tu déconnes? Ça fait au moins 10 ans qu'elle est au régime et d'avoir 10 ans de boîtes de conserve en réserve. Tu crois que ça a duré 10 ans? Je sais pas. Je suppose qu'ils vont bien finir par envoyer l'armée. La CIA doit bien avoir quelque part un plan anti-rayon de zombies qui est caché dans un bureau qu'ils n'ont pas encore trouvé. Et si personne n'a plus. Tom! Viens voir vite! Vite! Quoi? C'est la voisine! T'es sûr? Oui, vite, l'aider! Non, ça va! Mais
Qu'est-ce qui te prend? C'est trop dangereux. Mais trop dangereux, faut aller l'aider. Non, elle se démerde. Ça va pas. Écoute, elle pourrait en faire rentrer un ou elle pourrait être contaminée. Je vais pas prendre le risque. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez... Sarah? 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 Qu'est-ce qu'il y a? Faut faire quelque chose vite. Faut trouver une serviette, faut le mettre au chaud, faut l'emmener à l'hôpital, à la maternité, aux urgences, je sais pas. Il est mort. Il est pas mort. Regarde, il bouge. Vite, bouge-toi, fais quelque chose. Il a vécu 8 semaines. Il peut pas avoir survécu en dehors de toi. Il est vivant.
Regarde, il bouge. Comment veux-tu qu'il bouge sans qu'il soit vivant? Coupe. S'il est mort dans mon ventre et qu'il est devenu un... Est-ce que moi je... Tu es bien content. T'en voulais pas de façon. C'est bien que c'est pas vrai. C'est vrai. T'en voulais, mais c'est pas le bon moment. L'humanité est en déclin, il y a la crise économique, la guerre en Irak, les attentats. Et le flingue, c'était pourquoi? Pour nous tuer, moi et le bébé? T'as fini de dire des conneries? Ouais, des conneries. Je la pauvre conne qui est tombée enceinte, qui a chamboulé tout ton monde. J'en ai entendu. Son visage. J'ai comme des fourmis dans les mains, les pieds, et j'ai froid, très froid. Attends. Je suis désolée, Tom. Pour ce que j'ai dit tout à l'heure, pour tout, je m'en veux. Je suis désolée. C'est rien, c'est rien. Si, je suis désolée. Je sais que tu l'es pas, je sais que tu t'as quitté juste pour le bébé, et je suis désolée. Vous protéger, toi le petit. C'est... J'ai acheté de ma main du jour où tu m'as dit que. À quoi ça aurait pu servir? Je sais pas, c'est. Si un jour on se faisait cambrioler ou. Peut-être qu'on a vu Orange Mécanique. Et si je reste là, je vais être en danger pour toi et je vais pas être en danger. Ça va bien se passer, tu sais. Thomas, tu sais que c'est foutu, tu sais comment ça se passe. Si je vais dehors, ils attaquent pas ceux qui sont en train de changer. Je risque rien et j'irai le plus loin possible d'appartement, comme ça tout ira bien pour toi. C'est vraiment une question, je te laisse partir. Dans ce cas, il faudra que tu fasses ce qu'il faut. Quoi? Sarah? Sarah? Sarah?